Vas-y, on mène encore, voilà. Hop, elle arrive. Frein, 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 frein. Et yes, joli. Hop. Il manque juste une petite action aux commandes en fait pour marquer un petit peu la tempo, Lise. Du coup, tu lui cours un petit peu après pendant qu'elle te dépasse. Après, c'est loin de la fermeture, hein, c'est pas dangereux du tout. Tu me fais coucou avec les jambes, Lise, si t'es bien installée. Ok, tu prends le temps de te mettre bien au fond de la sellette. Et profite, tu peux partir à gauche. Tac, elle monte bien. Et c'est parti, encore un peu. Nickel. C'est dommage, tu as temporisé un tout petit peu tôt en fait, et du coup, elle arrive à te doubler encore un petit peu. Mais bon, c'est propre comme des. Eh ben, ça fait plaisir de te voir en l'air. Bon vol, Paul. Et c'est au terrain de football hein, pour l'instant, la table. Elle est belle, un peu de frein quand même. Ouais, tu vois, tu cours un petit peu après. Mais bon, c'était l'ambiance de ce matin. Allez, bon vol, Manu, c'est nickel. Donc là, une fois que t'es bien installé, tu me fais coucou avec tes jambes pour que tu sois sûr de toi. Ouais, nickel. Et tu peux te laisser décaler à gauche vers la vallée. Tac, elle est belle, un peu de frein et on y va. Ah, ok. Et bah super, Manu, pareil, tu me fais. Si t'es bien installé, que tu m'entends bien, tu me fais coucou. Ouais. Allez, ça monte bien. Nickel. Et là, tu vas accélérer. Et puis là, j'ai vu une tempo. Et y'a plus la. Ah, ouais. Ah, tu peux prendre ton cap du coup vers le pont cette fois, Lise. Tac. Ouais, belle. Et beau déco. Ça va, fier de toi. N'aie pas peur de t'éloigner du terrain, Lise, parce que on est vraiment haut. Voilà, éloigne pas encore un petit peu. C'est pas ce côté. Toujours pour Lise, hein. Parfait. Allez. Là, on va bien au bout du terrain. Attends, 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 t'as le temps là, Lise. Reviens encore à gauche. Reviens encore à gauche. Voilà. Et en fond de terrain, là, tu me fais un quart de tour à droite. On va aller survoler la butte parce qu'on est très très haut. Voilà, tout droit comme ça. Sans s'avancer sur le terrain. Toujours en restant, voilà, au fond du terrain. Ah, c'est parfait. On sait que le prochain virage, ce sera un demi-tour par la droite, donc face terrain. Voilà, tu as encore le temps, hein, tu pouvais encore continuer tout droit si tu voulais. Allez, boucle bien, hein, tu t'avances pas sur le terrain. Hein. Voilà, regarde toujours ta cible comme repère. Utilise toute la largeur. Encore, attends, 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 attends. Voilà, maintenant tu fais ton demi-tour. Ah, tu as de la place encore. Allez, encore, encore à gauche, encore à gauche. On reboucle pour bien rester en fond de terrain. Reste en fond de terrain encore. Voilà, top, pas plus. Regarde ta cible. Attends, 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 t'es déjà en train de revenir. Et... attends. Et maintenant, tu peux rentrer. On va être un peu long, mais vas-y, rentre en finale comme ça. Ou tu me places un petit S, c'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Voilà. Voilà, si tu t'allonges, tu vois, tu viens face, tu vas être un peu longue par rapport à la cible, mais c'est bien quand même. Attends, freine pas trop vite. Prends ton temps. Voilà, c'est bien. T'as une toute petite clé à droite sur la patte droite de frein de droite, on va la défaire tout à l'heure. Tu vois, c'est les. Voilà, avant extérieur, hein, toujours. Je te laisse faire. Alors, c'est bien, maintenant ce que je voudrais, c'est que tu prennes l'habitude de les faire dissymétriques, d'abord une et puis l'autre. Allez, on relâche une et puis l'autre. Voilà, vas-y, vas-y. Et puis vas-y, tu refais une et puis l'autre. Ah, c'est mieux, ça me plaît plus parce que ça évite les problèmes potentiels de parachutage. Allez, on relâche une et puis l'autre, puis tu vas reprendre ton vol normal.
Voilà, parfait. Soit, voilà, tu me fais un petit coup d'oreille et on est pas mal, là. Voilà, et là, tu vois, c'est, en plus, c'est vachement facile à piloter à la sellette. Tu te mets bien parallèle à la rivière, comme ça, tu te fais pas verrouiller du mauvais côté. Parce que tu vois que ton plan de descente, c'est quand même pas du tout le même, là. Ah. Manu, j'ai toujours rien à dire, hein. Là, ce qui est dommage, Paul, c'est que tu pouvais utiliser toute la largeur, tu pouvais utiliser encore plus de largeur. Bon, t'as de la maniabilité, donc je te laisse faire. Mais c'est vrai que moins, plus tu utilises de largeur, moins tu fais de S, mieux on se porte. Ah, Manu, je dis rien parce que c'est toujours parfait. Ah, c'est bien, tip top. Voilà, donc là tu peux commencer à aller à droite en vent arrière. Parfait. Et à partir de maintenant, on va passer un bon moment, donc on va dire plus de 50% du temps à regarder la cible, juste pour voir comment elle descend dans ton plan de vol. Si d'un coup tu vois que tu descends vite, bah on se rapproche du terrain. Si par contre, comme c'est le cas maintenant, tu vois, on est haut, on descend pas trop, bah tu peux rester quasiment parallèle à la rivière, sans rentrer sur ton terrain trop vite. Donc l'idée, ce sera de faire un grand un quart de tour en bout de terrain et encore un quart de tour pour venir en finale. Normalement, on devra faire un petit S là, on est un petit peu haut. Allez, on peut aller en quart de tour, on peut venir en étape de base à droite. Allez Manu, il n'y a plus que toi en l'air. Hein. Tout droit comme ça. Et là, tu vois, la butte en face, c'est pas un obstacle. On peut aller survoler la butte. Donc je veux pas que tu reviennes trop vite si tu veux. Attends, et là tu peux rentrer à droite en finale. Oh, peut-être être un peu haut, mais on verra. Pour l'instant, tu viens droit en finale comme ça. En finale, viens vers ta cible. Le fait d'aller survoler la butte, c'est ce qui nous permet d'être à la bonne hauteur, sinon on aurait dû faire un S. Donc là, on a le regard vraiment loin, toi relève la tête, tu regardes pas le sol, tu regardes loin devant. Prépare à poser les pieds, hein. Tu peux te mettre debout si tu veux. Voilà, et on se concentre uniquement sur la tête. Relève la tête, regarde loin devant, regarde pas les pieds. Voilà, allez. Voilà, un petit peu tard le freinage, mais toi, le fait que tu relèves la tête, ça ralentit un peu les choses visuellement. Ok, donc Manu, on va essayer de faire les oreilles. Là, tu vas prendre une et puis l'autre. Hein. Donc, on garde les commandes dans les mains, comme on a dû t'expliquer. Ah, bien. Allez, vas-y, rabat bien, et l'autre côté aussi, c'est dur, hein. On va prendre très très haut, le plus haut possible. Voilà, allez, une, et puis l'autre. En même temps, hein, tu fais une, tu la gardes, et puis tu fais l'autre. Allez, encore. Ouais, ça bouge un petit peu, mais tu t'inquiètes pas, tu gardes ton cap. Voilà, et l'autre, vas-y.
Ah, c'est pas grave. Fais-moi d'abord un demi-tour à droite. On en fait une à droite déjà pour commencer. Voilà, on la maintient et on va faire celle de gauche en gardant celle de droite baissée. Allez, vas-y. Voilà, allez, tu me fais un petit quart de tour à gauche à la sellette. Allez, vas-y, on penche, voilà, c'est parfait. Allez, on relâche une et puis l'autre. On les refera plus tard, mais là, c'est déjà, ça c'est acquis déjà, voilà. Voilà, donc on est en vent arrière, comme on est un petit peu haut, on s'éloigne très légèrement du terrain. On va voir comment, voilà, ça y est, cette bonne face qui descend. Voilà, on voit bien que là, la masse d'air s'effondre un peu plus, c'est tant mieux pour nous. Ça va être plus facile de caler l'approche. Ah, ça y est, c'est dans une phase qui monte de nouveau. C'est pas grave, on verra en étape de base. Hein, là, par contre, ça redescend. On va se rapprocher un peu du terrain. Voilà, top, pas plus. Enfin, tu vas aller vers les arbres pour être sûr de passer au-dessus. Mais vu la hauteur, là, tu es sûr de passer au-dessus. Allez, on va tout doucement aller vers l'arbre tout seul. On verra quand on sera là-bas s'il faut doubler l'étape de base ou pas. Mais en tout cas, là, on va passer du bon côté des arbres. Comme ça, on est sûr que si on a une grosse dégueulante, on ne sera pas verrouillé. Lise, j'ai toujours rien à dire. Alors, t'as Paul qui est sur la falaise. Moi, je le vois plus beaucoup parce que j'ai la barbule entre lui et moi. Ouais, non, mais moi, je peux pas poler. Non, Paul, tu gères parce que je vois pas, moi. Je le vois vaguement, mais je peux pas regarder les deux côtés. Ouais, mais je le devine là, puis de manière, il est posé devant la falaise. Ok. Donc on va devoir faire on va devoir doubler l'étape de base. On reste comme ça pour l'instant, on va utiliser toute la largeur du terrain. Lise, on va finir plutôt côté village. Là, on fait un demi-tour pour Manu. Voilà, parfait. En restant derrière pour l'instant, on reste derrière l'étape de base. C'est bien. Top, regarde ta cible, bien toujours. Attends, t'as le temps avant de venir. Attends. Ah, c'est normal que tu l'aies vu parce que tu es pressé, mais allez, maintenant tu peux y aller. Voilà. Tu peux avoir largement le temps de te remettre en direction de ta cible tout droit comme ça, bras haut. Pareil, on se rappelle, on va devoir poser, donc on sort les jambes, on reste concentré jusqu'au bout. Ah, parfait. Et à fond, avant que cela arrive. Ah, deux fois déjà. Ah, c'est dommage, il manquait juste ça. Et tu vas me faire une oreille et puis l'autre. Allez, vas-y. En gardant les commandes, hein. Ouais, et l'autre. Voilà. Allez, tu me fais un quart de tour à droite à la sellette, vas-y. On redescend la jambe du côté où on veut tourner. Parfait. Encore. Et on relâche une oreille et puis l'autre. Merveilleux, Lise. Eh bien, je te laisse continuer ta paire d'études. C'est toi qui vas choisir quand tu veux rentrer. Si je vois que tu rentres trop tôt, je te le dirai pour pas que tu fasses la même que tout à l'heure. Donc tu peux te permettre, si tu veux, de t'éloigner un peu, mais voilà. Par contre, la hauteur, elle est pas mal, hein. C'est pas mal comme choix. Tu choisis le bon moment, si tu veux, pour rentrer en intérieur, c'est pas mal. Je pense que tu devras faire un petit S, mais ça, c'est tu sais faire, donc c'est pas gênant, quoi. Hein. Mieux vaut rentrer au début un petit peu trop tôt, on arrivera à se caler plus tard. Là, tu choisis la sécurité, c'est très bien. Maintenant, il faut assumer jusqu'au bout, c'est-à-dire il y a encore toute la partie S à faire. Mais comme tout à l'heure, tu l'as fait toute seule, je te laisse faire aussi. Ah, ça me plaît ça. Utilise toute la largeur, ça c'est super top. Ah, maintenant, chaque fois que tu regardes ta cible, continue. Reviens à gauche. T'as de la place encore. Regarde, t'as encore tête, t'es qu'à la moitié du terrain. Voilà, et top, tu reviens à droite, vas-y. Allez. Voilà, encore un petit S, hein. Vas-y. Tu peux encore. Voilà, c'est pas grave. Maintenant, on s'aligne face au vent. Tu vas marcher un petit peu, mais c'est pas très grave. Regarde loin devant, voilà. On va se concentrer, puis tu vas venir jusqu'ici. T'as toujours la petite clé, là, faut que je la retire. Donc tu reviens jusqu'ici, on la retire tous les deux. Voilà, tout doucement. On voit qu'elle veut bien accélérer, mais toi, c'est pas violent. Hein. On va aller tout droit, un petit coup tout droit. Alors tu vois où t'en étais au niveau commande. Tu vas me faire un petit coup de roulis à gauche, et puis un petit coup de roulis à droite, et on maintiendra la commande pour tourner. Du fait qu'il y ait du roulis, elle va accélérer un petit peu plus vite dans le virage. Si tu veux, en créant du roulis inverse,
Voilà, là si tu inverses ton roulis, tu vas l'aider en fait. Pas si je me suis bien... Voilà, ça y est, c'est bon. Alors maintiens, toi elle a du mal, elle veut pas y aller. C'est plutôt cool, hein, si le jour où tu veux qu'elle y aille, elle y a, hein, suffit de descendre la main. Mais au moins tu sais que là, voilà, maintiens comme ça, tu vas voir, elle va accélérer légèrement encore. Tu peux même descendre encore un petit centimètre. Ah, c'est pas grave, on refait une petite inversion top à gauche. Allez, inverse à gauche, voilà. Top, on inverse top à droite. Voilà, et là, on se prépare à freiner à l'extérieur. Ah non, c'est bon, eh ben nickel. Tip top. Si jamais tu veux, tu peux aller en finale et jouer avec les freins pour casser la finesse, sachant qu'en freinant face au vent, bah, tu auras moins de finesse. Du moment que tu lui rends un peu la main avant de poser, ça le fait. Ah, pas beaucoup plus bas que ça, toi, parce qu'il faut pas qu'elle décroche. On en est loin, là, mais bon. Là, tu rends un tout petit peu la main pour avoir un arrondi. Et nickel. Bah, c'est propre, c'est top, c'est cool.